François Nicéphore, candidat président numéro 4. Amen. Chiffre prophétique. Oui. Je souhaite à tous mes candidats présidents pendant cette campagne et durant les élections. Je leur souhaite aussi une bonne course présidentielle. Mais merci. Mais pour vous, mes sœurs, mes frères congolais qui me suivent, notez que dans tout royaume, toute nation, le pouvoir ne vient pas de la magie, le pouvoir pas de l'argent, le pouvoir ne vient pas de l'intimidation, ça ne vient pas des associations tribales. Tout royaume et toute nation, celui qui établit les chefs, c'est l'Éternel Dieu. Merci. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, pendant ce moment de la campagne, trouver les chefs dans cette nation, je demande à chaque Congolaise, à chaque Congolais, d'abord le bilan de sa propre vie. Le bilan avant de voir le bilan national. C'est pour cela que pendant les élections, chaque Congolaise doit choisir l'homme auquel le Congo, notre nation, c'est Dieu qui va être Congolais. Amen. C'est pourquoi mes frères et sœurs, que Dieu bénisse le peuple congolais, bénisse notre nation Congo. Amen. Je vous remercie. Merci d'abord pour la question. Pour nous, c'était une stratégie. Comment ? Parce que c'est une guerre, une bataille électorale. Officiellement, ils ont proclamé la date, c'est le 28. On devrait d'abord s'organiser avant de lancer notre campagne. Et pour nous, la campagne avait déjà commencé il y a longtemps. Parce que nous avons notre politique de termites. Intermittent, quand elle bouffe les murs, vous êtes toujours surpris quand la maison est déjà par terre. Donc c'est ça notre stratégie. Nous nous sommes préparés depuis longtemps. Pour le moment, la période qui nous reste, c'est une période de formalité. Donc c'était, à mon avis, une technique de stratégie. Alors, vous avez commencé par souhaiter bonne chance à tous les candidats, ce qui est peu probable dans l'environnement. Qu'est-ce est-il les candidats fair play? Bon, fair play, bien sûr, par les mots, mais je crois que j'aime moi-même. J'ai trouvé que dans toute bataille, on dit d'abord à quelqu'un qui va à la guerre, bonne chance. En tant que candidat et président, ils sont aussi candidats, présidents. Ils sont tous dans une course, dans la course présidentielle. Il y a des élections et j'ai souhaité à tous mes collègues la bienvenue dans cette course. Et surtout, bonne chance que le meilleur nous remporte. Parce que nous sommes d'abord tous fils du pays. Alors, vous avez notamment dit que l'Éternel est notre berger devant Kakessa. Vous souhaitez bienvenue, bonne chance à tout le monde. Vous êtes sûr de l'emporter, monsieur Kakessa? Ah, bien sûr. J'ai dit, écoutez, l'Éternel, Dieu des armées, est notre force. Et nul ne tiendra Kakessa. Cela ne peut pas m'empêcher de souhaiter aux autres bonne chance. Je vois alors, monsieur le président, ces sites suivis au niveau international, il y a les Congolais qui sont dans le Parlement très concentrés en ce moment sur la. Quel message adressez-vous à tout ce monde-là qui a quitté les pays il y a 10-20 ans et qui aimerait savoir ce que vous avez à dire au peuple congolais? Merci, monsieur le journaliste. Il y a 22 ans, tu es aussi dehors du Congo.
Les 22 ans que j'ai passé dehors du Congo n'ont pas été 100% bonnes. Mais ce que nous voulons pour le Congo, nous voulons que nous puissions créer maintenant un climat réellement d'un pays où il y a les hommes et les femmes respectés. Mais pour être respecté, il faut qu'il y ait un gouvernement qui sait protéger la terre et protéger le peuple. Quand je parle de protéger, ce n'est pas synonyme d'avoir des gardes militaires. Un gouvernement capable de créer l'emploi dans le pays, de créer la disposition des Congolais, la facilité de faire toute initiative soit encouragée et toute innovation soit encouragée. Pour notre pays, nous serons capables de créer l'emploi, de créer les bonnes conditions. Si aujourd'hui nos frères et sœurs sont dehors, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas les Congo, non. Là où ils sont, leur cœur, c'est dehors, pas bonne vie. Là où ils sont, rapidement dans notre pays, nous joindre et construire le pays. Merci, Monsieur le Président. Quel message adressez-vous aux Congolais et surtout, quelle est la prochaine étape de votre campagne électorale? Le message est clair. Comme je venais de le dire en bas, dans tout royaume, le pouvoir n'a jamais été l'œuvre de l'argent. Le pouvoir n'a jamais été l'œuvre des associations tribales, chéries ou de l'intimidation. C'est Dieu, c'est le chef dans une nation. Et Dieu utilise les hommes pour établir celui qui doit diriger sur eux. C'est cette fois ici, Dieu va bénir les choix du peuple congolais pour que réellement sa volonté s'accomplisse. Donc c'est le seul message que je peux donner à nos frères et sœurs congolais. Merci. Alors, vous êtes le numéro combien aux élections? Je suis candidat numéro 4, qui signifie la 4e République. Alors, on va voter le numéro 4. Merci, Président. À la prochaine.